Ameria Radio presenta L'Opera. Buonasera e benvenuti all'Opera. Questa sera ascolteremo di Georges Bizet Carmen. Personaggi e interpreti: Carmen, Agnès Balza; Micaela, Janet Perry; Don José, José Carreras; Escamillo, José Van Damme; Frasquita, Graciela de Glindenfeld; Mercedes, Jane Berby; Le Duncair, Michel Sénéchal; Le Remendado, Heinz Zednik; Zuniga, Alexander Malta; Morales, Armand Arapion; Lilia Spassia, Albert Medina; Andres, David Clare. Coro, Wiener Staatsoper; orchestra, i Wiener Philharmoniker, diretti da Herbert von Karajan. Atto primo. Morales, capo dei dragoni, si trova presso la manifattura di tabacchi in una piazza di Siviglia e osserva il passaggio della gente. Fra la folla avanza una giovane, Micaela, che è alla ricerca del suo innamorato, il brigadiere Don José. Morales la invita ad attendere, ma la giovane si allontana. In piazza, nel frattempo, arrivano anche le ragazze che escono dalla manifattura di tabacchi per la pausa. Solo Don José, arrivato in quegli istanti, si mostra disinteressato a loro perché ama la sua Micaela e ha promesso di sposarla. Tutti gli uomini attendono invece l'arrivo della bella Carmen. Quest'ultima, accortasi dell'indifferenza di Don José, avanza spavalda verso di lui cantando, danza una vorticosa habanera e, prima di rientrare nella manifattura, gli getta sul viso un fiore. José ne è turbato e nasconde il fiore sotto la giubba. Frattanto arriva Micaela, che gli reca notizie della madre lontana, lo informa che lascerà la città per raggiungerla, promettendogli di tornare. Prima di andarsene lo bacia castamente. Appena la ragazza è andata via, Don José tira fuori il fiore per gettarlo via, ma viene interrotto da un alterco che viene dalla fabbrica. Carmen si è azzuffata con una compagna e l'ha ferita al volto. Zuniga, tenente della guardia, l'arresta e ordina a Don José di portarla in prigione. Rimasta da sola con l'uomo, Carmen inizia la sua opera di seduzione e gli promette amore in cambio della libertà. José, ormai irretito, l'aiuta a fuggire.
Sans crainte mignonne, je
Après, une jolie fille, et fort gentiment habillée, une jupe bleue et des nattes sur les épaules. C'est Mikaela. Ce n'est peut-être que Mikaela. Elle n'a pas dit son nom. Femmes qui travaillent là. Oui, mon lieutenant. Il y a bien 400 ou 500 qui roulent des cigares dans une grande salle. Il y a de jeunes. Oui, mon lieutenant. D'olives. Je suppose, à dire vrai, que j'en ai beaucoup regardé. Nous avons un faible pour les nattes tombant sur les épaules. Mon lieutenant, entendu ce que me disait Morales. Et la petite Mikaela. Mais dites-moi, quel âge a-t-elle la petite Mikaela? 17 ans. 17 ans! Je comprends maintenant. Enfin, vous ne saurez pas me dire si les cigarières sont jolies ou laides. Thank you.
fanfaronnerie. Avec quelle adresse elle me l'a lancé, cette fleur. Juste entre les deux yeux. C'était une balle qui m'arrivait. Quel parfum. Certainement, s'il y a des sorcières, cette fille-là en est une. Monsieur le brigadier. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Michaela, c'est toi. C'est moi. Et tu viens de là-bas? Oui, c'est votre mère qui m'envoie. Parle-moi de ma mère. Parle-moi de ma mère. La voix de fidèle messagère. Cette lettre. Depuis.
Je vais lire sa lettre. J'attendrai, monsieur le brigadier. J'attendrai. Continue à te bien conduire, mon enfant. Peut-être alors pourras-tu quitter le service, revenir près de moi et te marier. Quant à moi, celle que je te conseillerais de choisir, c'est Michael. Il vaut mieux que je ne sois pas là. Mais la réponse! Je viendrai la prendre avant qu'on ne te prépare. Adieu! Oui, ma mère. Je ferai tout ce que tu désires. J'épouserai Michaela. Et quant à cette bohémienne, avec ses flairs bien sorcelles! Je
Besoin, brigadier, de vous demander si vous avez dit la vérité. Quoi de Navarre? Alors, avez-vous quelque chose à répondre? Parlez! J'attends. C'est une réponse. Ce ton-là. Eh bien, ce qui est sûr, n'est-ce pas, c'est qu'il y a eu des coups de couteau et que c'est d'elle qu'il les a donnés. Attachez-moi ces deux jolies mains. Dommage, vraiment, car elle est gentille.
Et si gentille que vous soyez, vous n'irez pas moins faire un tour à la prison. Vous pourrez chanter aux chansons de Bohémienne au porte-clés. Je vous dirai ce qu'il en pense. Je vais écrire l'ordre. C'est mon brigadier qui la conduirait. Me conduirez-vous ? À la prison. Laissez-moi m'échapper. Je défends de me parler. Tu m'entends ? Tu ne me parles plus. Très bien, seigneur officier, très bien. Vous me défendez de parler, je ne parlerai plus. Comme l'on vivre, suis-je seul, suis-je seul.
voici l'ordre, partez, et faites bonne garde. Atto secondo. Un mese dopo, nella taverna di Lilia Spastia, Carmen attende il ritorno di Don José, che nel frattempo è stato imprigionato per averla lasciata fuggire. Carmen è in compagnia delle amiche Mercedes e Frasquita e canta e danza fra un gruppo di dragoni. Alla taverna arriva anche il torero Escamillo, vincitore della corrida di Granada, sedotto immediatamente dal fascino di Carmen. Mentre l'oste sta per chiudere, entrano il Dancairo e il Remendado, entrambi contrabbandieri che si servono della gitana per i loro traffici. Questa volta però Carmen rifiuta e si dichiara innamorata. Finalmente giunge Don José, accorso alla locanda per rivedere la gitana che balla per lui, accompagnandosi con le nacchere. La danza è però interrotta dalle note della ritirata. Ligio al suo dovere, Don José decide di ritornare in caserma, ma Carmen cerca di trattenerlo. Nel frattempo ritorna a Zuniga per restare con la sigaraia. Acceso dalla gelosia, Don José si scatena contro il capitano. Intervengono i contrabbandieri e Zuniga viene immobilizzato sotto la minaccia delle pistole. A Don José non resta quindi altra scelta: seguire Carmen e i suoi amici disertando l'esercito. Thank you.
avons quelque chose à nous dire. Maître Lilias Pastia. Ah, mon Dieu, monsieur, les officiers, ils commencent à se faire tard. Et les règlements. Monsieur le corregidor est assez mal disposé à mon égard. Je ne sais pas pourquoi. Je le sais, moi. C'est parce que ton auberge est le rendez-vous ordinaire de tous les contrebandiers de la région. Et Dieu sait ce qui s'y passe dans ton auberge, une fois qu'elle est fermée. Oh, mon lieu! Eh bien, les belles, avant la paix, nous avons le temps de passer une heure au théâtre. Vous y viendrez avec nous. Non, messieurs les officiers, nous restons ici. Et toi, Carmen, tu ne refuseras pas. Je refuse. Tu m'en veux? Pourquoi vous en voudrais-je? Parce qu'il y a un mois, je t'ai envoyé à la prison. À la prison? Je ne me souviens pas cette galère à la prison, hein? Mais le brigadier qui t'a laissé échapper s'est fait dégrader pour cela et emprisonné. Mais il en est sorti? Oui, aujourd'hui. Allons, tout est bien. Tu t'es consolé vite, hein? Thank you.
lascia la verrura, o tre nota di calore. Carmen, la Carmencita, comme tu voudras. Eh bien, Carmen, si je m'avisais de t'aimer et de vouloir être aimée de toi, qu'est-ce que tu me répondrais? Je répondrais que pour le moment, il n'y faut pas sombrer. Ah, c'est comme ça. Eh bien, j'attendrai alors. Ah. Bien, Carmen, puisque tu ne vas pas venir avec nous, c'est moi qui, dans une heure, reviendrai ici. Ici? Oui, ici, dans une heure, après l'appel. Je ne vous conseille pas de revenir. Je reviendrai tout de même. Venez, monsieur, c'est mignon. Nous avons besoin de vous, mais nous avons besoin de vous.
se joindre à nous. Ah, si ça se pouvait. Mais il n'y faut pas penser. Mais pourquoi l'aimes-tu? Parce qu'il est joli garçon et qu'il me plaît. Alors, essaye toujours. Sortez, vous autres. Thank you.
de t'être fait mettre en prison pour mes beaux yeux. Contre cela, non. Vraiment? Parce que tu m'aimes? T'aimes parce que je t'adore. Ton lieutenant était ici avec d'autres officiers. Ils nous ont fait danser. Bien danser? Jaloux! Certainement, je suis jaloux. Eh bien, si tu le fais, je danserai pour toi maintenant. Pour toi tout seul. Je le veux. Je crois bien que je le veux. Je vais danser à votre honneur. Et vous verrez, Seigneur, comment je suis moi-même accompagné ma danse. Mettez-vous là, Don José. Je commence. Oh, je devrais m'en trouver.
Thank you.
Oh.
Atto terzo. I contrabbandieri sono accampati tra selvaggi dirupi in un punto strategico. Don José e Carmen sono rimasti soli, ma il loro rapporto non è più quello di un tempo. La sigaraia pensa ad altre avventure e Don José è tormentato dai rimorsi. L'indifferenza della donna accentua poi la sua gelosia. Carmen legge nelle carte il proprio avvenire e il responso è tragico: la morte. Micaela, spaurita e tremante, viene a cercare Don José nel disperato tentativo di redimerlo. Lo chiama, ma egli non risponde. Ad un tratto si ode uno sparo. La ragazza fugge mentre appare Escamillo, scampato per poco al colpo di Don José. I due rivali estraggono il coltello e si affrontano. Il dragone sta per colpire il torero, ma la mano di Carmen lo ferma. Mentre Don José, furente, minaccia la sigaraia, il remendado scorge Micaela, giunta per annunciare all'amato che sua madre, moribonda, vuole vederlo per l'ultima volta. Tutti lo convincono a partire. Dapprima egli è incerto, poi s'allontana con la ragazza. Thank you.
Thank you.
sont là qui gardent la brèche. Ils la gardent bien, je vous jure. Savez-vous les noms de ces douaniers? Oui, Eusebio, Pires et Bartholomé. Oh, ah, n'ayez pas fait d'entraînement. Je vous en reprends de vos droits douaniers. Thank you.
Et toi, l'ami, on se parle. Nous frisons moins qu'avant.
à toi, Carmen, je suis là de souffrir. En route, il faut partir. Thank you.
Atto quarto. È il giorno della corrida e la folla, festante, attende sulla piazza di Siviglia davanti all'arena, acclamando il corteo di toreadores, degli aguazil, dei picadores, dei banderilleros e l'espada Escamillo, che arriva insieme a Carmen, ormai innamorata dell'uomo. Le amiche Mercedes e Frasquita esortano la gitana a fuggire perché Don José la sta cercando. L'uomo si umilia davanti alla donna, pregandola di seguirlo per vivere una nuova esistenza. La vittoria di Escamillo interrompe il dialogo fattosi acceso. Carmen corre giubilante verso il torero, ma Don José la ferma. Essa allora confessa cinica, crudele e spavalda il suo amore per il torero e gli getta in faccia l'anello che le ha donato in senso di disprezzo. Accecato dalla gelosia, Don José avanza verso la donna e la uccide. Carmen cade senza vita mentre la folla allibita assiste alla tragica scena. Don José, sul corpo dell'amata, la invoca disperato e viene arrestato.
Il est malade.
Ameria Radio ha presentato l'opera.